Yes, now, my babe, I don't know. Can you repeat the question? You're not a boss of me now. You're not a boss of me now. You're not a boss of me now. And you're not so big. Life isn't fair. Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui je vous reçois au chapiteau. C'est une scène à Lille et on est invité ici par Divan Productions qui nous met à disposition cette salle magnifique. C'est une salle de spectacle et je suis vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une box, c'est la Kingsong 16X. Le modèle qui est ici c'est 2200 watts avec une puissance en pic de 4000 watts. On a la petite batterie de 777 Wh et c'est un moteur de 84 volts. Alors je suis impatient d'ouvrir ce carton avec vous. C'est parti. Comme d'habitude, je ne l'ai pas ouvert avant. J'aime bien découvrir ça avec vous. Alors, on est accueilli. On regardera ce qu'il y a dans cette petite boîte après. Ici, on a la déclaration de conformité. On a un petit manuel d'utilisation en français, en italien et en allemand. Alors, le chargeur qui nous est fourni, c'est un chargeur de 84 volts et de 1,5 ampère-heure. Ça, c'est la deuxième partie du chargeur. J'ai hâte de voir la machine. Alors, on va la sortir du carton. On doit être à 24,3 kg. Forcément, j'ai la chance d'avoir le carton qui vient avec. Comme d'habitude, je vais faire un petit peu de rangement. Pas que ce soit trop fouillé. Garder le chargeur ici avec la belle notice. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir en même temps que moi cette jolie roue? Alors la voici, la voilà, je vous la présente, la Kingsong 16X. C'est magnifique, on a un petit effet un petit peu carbone qui est dessiné dans le plastique. On a la lumière ici avant, mais on a aussi un trolley qui rentre parfaitement dans le design de la roue. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'allumer. Donc le bouton, il se trouve ici. Voilà, donc vous avez des LED. Je pense avoir bien compris que les LED, vous pouvez les changer via l'application, vous pouvez choisir la couleur, choisir l'animation des LED, mais pas que. Quand vous êtes à l'arrêt, ici les LED vous donnent l'indication sur la charge de la batterie. Donc ça c'est très pratique. En parlant de batterie, la charge se trouve ici. On a deux entrées, donc on a la capacité de charger avec deux chargeurs, j'imagine. On verra ça peut-être un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Ici à l'avant, on a deux prises USB. La machine est très jolie. Donc sur la 16X, on a un pneu en 3 de large. C'est du 16 pouces en 3 de large. Donc on a un pneu un petit peu plus large. Ici à l'arrière, on voit qu'on a un petit garde-boue. La machine est très jolie, ça paraît très solide. C'est vraiment impressionnant. Moi qui ai commencé avec la 14D il n'y a pas très longtemps, voir déjà des si grosses machines, ça me donne vraiment envie d'essayer ça. Donc, on révise un petit peu les specs. Les specs, comme je vous ai dit, on est à 24,3 kg.
On a un moteur de 2200 watts capable de délivrer 4000 watts en pic. On a une machine ici, donc c'est la batterie 777 watt-heure. Si on fait un petit calcul vite fait, on a 50 km d'autonomie. On a la possibilité de charger deux fois plus vite puisqu'on a deux entrées de batterie. Donc on a les LED multicolores. On peut choisir un petit peu l'animation qu'on a envie sur sa roue. Elles servent aussi à donner le niveau de batterie. Le niveau de batterie, on peut aussi l'avoir sur l'application. Prochainement, je pense qu'on fera une vidéo justement pour découvrir un petit peu l'application. Il faut que je me trouve un petit temps pour vous montrer ça. Et puis voilà, donc la grosse particularité de la 16X, c'est sa capacité de franchissement, si j'ai bien compris. Si vous voyez là, vous avez un pneu qui est quand même assez large et une belle machine bien finie avec, comme je vous disais tout à l'heure, un beau covering. J'ai failli, elle me rappelle, vous avez connexion Bluetooth, comme sur toutes les roues. On a 4 enceintes de 5 watts et un subwoofer, si j'ai bien compris. Donc ça, on essaiera aussi sûrement dans un ride. Et puis on va voir. Moi, j'ai bien envie de tester un petit peu cette machine. On va ranger les petits outils. Alors, je fais une petite aparté parce que quand on a unboxé là, le carton à l'instant, on a oublié de regarder ce qu'il y avait dans cette jolie petite boîte. Alors, dans cette boîte, c'est pas une pâtisserie, c'est pas non plus une bague, quoique c'est une petite sonnette qu'on peut enfiler tranquillement dans la main et qui nous permettra de nous signaler auprès des piétons. Moi, ce que je fais quand je suis dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de piétons et que ça va dans tous les sens, j'active un peu la musique. D'ailleurs, en parlant de musique, sur cette nouvelle Kingsong, le son est vraiment top, on l'a essayé. C'est vraiment sympa parce que moi, quand j'écoute de la musique, c'est rare, mais j'aime bien l'écouter de bonne qualité. Et là, franchement, on est sur un niveau largement supérieur à ce que j'ai connu sur la 14D. Casqué, ganté, c'est parti. Je vous montre cette belle roue. Sa petite sœur, forcément, elle est aussi beaucoup plus puissante. On sent vraiment que sous les pieds, on a du lourd. J'espère que cet unboxing vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une évolution et pour plusieurs évolutions avec cette roue qui est quand même magnifique. J'espère que cet unboxing vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment dans un bel endroit. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride. Can you repeat the question? You